Moins enfants la Réunion, moins enfants toute nation. Parle pas moins trop religion, m'y vais pas fait jaloux avec mon descendant. Moins enfants la Réunion, ôté, moins enfants toute nation. Monsieur Jean-Luc. Opé, comment il est? Qu'est-ce que tu fais là-haut? On n'y fait que manger. On n'y fait que manger ici? Ouais. Ah ben écoute, que ça nous mange à soir là. Alors, normalement, moi tu sais, fait un porc palmiche avec la morue d'artichaut. La morue d'artichaut, c'est un plat typique vraiment créole, ça, mais seulement de monde a fini d'oublier. Donc, puis ça fait ça, comme ça, de monde, il revoit un petit peu comment il fait ça longtemps. Et par contre, le porc, moi tu sais, fait un porc palmiche. Mais comme on a des trois monuments pour porc, et comme ici, on a coq. Donc, ça prend mon porc, mais ça ramène la carasse. et le coq, ça met le palmiche dedans. Donc, au lieu d'avoir un porc palmiche, on aura un coq palmiche, et avec des artichauts et clamoris. Des artichauts et clamoris. Finiment ça, moi, finiment, des artichauts tout seul. Des artichauts tout seul, mais là, on va manger un coq clamoris. Ma goutin. Ouais. On avait une petite boutique dans le Cassignan, c'est un petit grand monde qui habite Cassignan. Tu t'appelles Monsieur Nourri. Il amène ça pour moi pour goûter. Ah, demain comme ça, parce qu'il me dit, tout le temps il parle à moi d'artichaut, mais il dit, ah, ça ne fait rien que vinaigre. Il me dit, oh, non, il fait curry. Alors il explique à moi comment il fait et il amène une petite barquette pour moi. Donc, il amène un petit pensé pour lui comme il a fait son plat. C'est lui la passe. C'est lui la passe à moi les affaires. Donc, à soir, ça mange. On prend une affaire sur Cassignan alors. Ah, avec Cassignan tout le temps. Ben, moi, il est là-bas. Moi, il est là-bas. Ok, ben là, il pourrait partir de la bonne palmiche. Ça palmiche, ça, il appelle ça qualité pachibaï. Ça, il sort de la plaine des palmiches même. Avec un monsieur, il appelle monsieur Cadet. Là, tu trouves Ali, ici, Marseille, pour vin, partout. Et la plaine des palmiches, le pont, tout ça. Là. Lucien l'a porté. Parce que lui, ça fait à la morue avec les artichauts. C'est ce qu'il y a de bon. Tu goûtes ça ou? Jamais mangé. Et moi, curieuse et il attend ça avec impatience. Le seul problème, c'est que mes SPL n'aura point trop de piment dedans ou la pointe du tout. Non, m'y mettent pas. Impeccable. Ah. Piment à côté. Alors, piment dedans? Non, m'y mettent pas piment dans les artichauts. Ils mettent pas dans les. En fin de compte, il y a comme un petit un bouillon. Mais pas un bouillon il baigne dans l'eau quoi. Un petit bouillon juste entre le bouillon, entre le réduit. Vous suivez les affaires là? Monsieur. Ben, ça c'est difficile pour expliquer le monde, ça va? Et l'artichaut, tu mets les feuilles aussi? Oui, mais attendez, pour quoi? Pour une allumette feuille pour là et il faut mettre un marmite pour mettre le mori dedans. Mais bon. Et pour mettre l'huile, si on va pas mettre l'huile. Là, il faut un marmite parce que comme les artichauts, ils vont être là-dedans. Il faut y couvrir quand même plus ou moins un petit peu, de bonnes artichauts. Comme il dit, ouais, c'est un demi-petit bouillon, si vous voulez. Enfin, il faut les noyer dedans. Mais les artichauts, ils ne trappent pas les artichauts, ils mettent pas comme ça dedans. Sinon, t'es trop facile. Hein? Sinon, t'es trop facile. Voilà la marmite pour la morue. Ça c'est marmite morue. Morue artichaut. Quel sac? Vous avez fait cuire à vous. La plupart du temps sont saletés là-dedans. Ça l'est un peu comme poireau. Un peu pareil, il va tant que tu as fait, tu vas le faire salter dedans. Allez, pas un peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut bien. Il essaie de faire le maximum, passer un petit peu de l'eau dedans. Parce qu'après une fois vous verrez, nous, hein. Après ça fait l'opération. Après ça fait l'opération. Là,
là c'est la saison d'artichaut, il faut profiter pour l'acheter. Et à l'Irode Marseille-Forin, Marseille-Forin peut trouver jusqu'à 1 euro. Hein. Parce que ça trouve dans une grande surface, moi la vie aujourd'hui, 4,80 €. Ah, d'abord, ils sont en France, mais parfois, dans le monde, les couillons, on connaît pas. Enfin, il ne faut pas dire les couillons. Ils osent pas des Marseille-Forin, ils ne pas Marseille-Forin. Tout ça, Marseille-Forin, les moins chers, ça les chers. Donc, sinon, ben, ça va chez le bookkeeper. Sinon, ça va. Ah, ben, les meilleurs encore. Alors, donne ma préparation, tu dois bien. Allez, c'est la lumière, fais-y alors. C'est un feu le diable. Feu le diable. Radio, regarde si c'est bon le feu le diable, bien fait pour. Ah, joli son feu. Non, ben, nous faisons des carrés en même temps, nous, hein. Donc là, on double les affaires. Ben, là, ben, comme on a. Mais normalement, il y a un milage, ça veut dire. Ou chauffe le marmite avant. Nous mettons le marmite. Non, nous mettons tout ensemble. Ils mettent dedans, mettre tout ça. Ils mettent les direct ensemble. Ah oui, parce que c'est un gondole. Non, gondole, vite. On laisse les gens comment ils préparent les artichauts. Donc, il faut couper les en dés. On coupe à l'île, là, on coupe en dés, après, on coupe en dés. C'est-à-dire, on coupe en 4 chauves. On fait 4 quarts. Quand on finit de couper 4 quarts, avec la pointe de couteau, on enlève, mais ça dit la plume, mais je dis pas, mais je dis pas la plume, mais on enlève le bon petit épingle qu'il y en a dedans. On enlève le épingle, on va passer de l'eau pour bien enlever, pour pas les épingles retrouver avec d'autres bouillons. Et normalement, les bons. Et souvent, si la pointe est un petit peu vilain comme ça, ou tu coupes la tête, parce que ça y est, ça va, de toute façon, on mange pas l'eau. On mange le petit morceau là-dedans, comme quand on mange un artichaut fait vinaigrette. Sauf que là, on aura, chaque monde aura un petit morceau avec le chou, un petit morceau de chou avec. Donc, il sera là-dedans. Donc, avec 15 artichauts, on gagne 4 morceaux. Au même compte, il y en a vraiment. Hein. Si on a 4 mounes avec 4 artichauts, ça gagne 4 morceaux. Mais là, les bombes, ça fait friter la morue là-dedans. Ma besoin, c'est quand ils mettent là-dedans, ils volent, ils voient ça, non? Possible. Ça fait comme moi, quoi? C'est William Sartre. William Sartre. Ah, William Sartre. C'est mais là on ressemble à un cuisinier, non? Comment trouvez-vous? Ah, vous voulez jusqu'à? Mais jusqu'à peu. Tout le temps, bon, aïe, moi, ça m'y croit, hein? Hein? Alors, ça, quand on a fini, il y a comme ça. Et notre affaire. Les nanmouns, ils mettent des pierres de citron dessus parce que la pierre, il dit noircie. Si à tout, mettre pas citron dessus parce que comme dit comme elle dépose, le citron il rentre dedans. Donc si vous mangez la liste une avec citron, il n'est pas bon. Pareil pour champignons. Les champignons, la minute quand ils coupent parce qu'ils sont assez, ils mettent sous mettre citron, le citron il rentre dans le champignon n'a le goût citron et c'est pas le but. Donc même si il est noir, il fait rien, reste la liste noir assis. Et l'ami fait un autre coup. N'oublie pas là-bas, il frique toujours. Vous coupez l'île bien au fond de ça, après vous trappez l'île là et vous lève. Voilà. Elle est facile, elle n'est pas compliquée, non? Non, elle n'est pas compliquée, il faut juste essayer. Il faut juste essayer. Donc, vous faites tout comme ça. Et après, vous faites un petit carré là, vous remettez en carré parce que vous savez faire bouillon. D'abord, là-bas, vous mettez de l'oignon, vous mettez un petit morceau de gingembre, des petits gousses d'ail. Tomates, comme un petit carré d'affaires, et après, de toute façon, qu'on fait des affaires comme ça, là. Faut pas ça le carré quand il y a des affaires épicées et concombres, là. Pas de trois ici, mettre pas le bas, non. Tout ça fait tant plus simple, vous trouvez le mieux le goût du produit. Alors, on a coupé ces petits artichauts. On met comme ça pour ma gueule mettre. Comme il fait des carrés, maintenant, ma gueule mettre mon poulet de l'autre côté, là-bas, pour faire mon poulet parmi. Bon. On va toujours pareil, sans pas. Là. Allez, plus dur, hein? Ça y est, là. Un peu plus dur. Ben, non, mais. Pas plus dur qu'il n'y a pas de bain.
après il faut pousser ça bien, il faut couper. Il faut couper après. Pour qu'il coupe jusqu'à dans le fond. Hein. Mais ça il faut rincer ça après encore. Hein, pour casser une bonne petite plume là rentre dedans. Tu vois comment je lis, comment ça va vite? Ça va net là, et là-bas, donne ma amie. Là-bas, il prit toujours. Après qu'on mange ça, et tout y gagne ce petit morceau là. Ce petit morceau là, ça le sous, ça le... Comment il appelle ça encore? Le sous même, non? Le cœur. Ah non, pas le cœur, ça, ouais, le sous même. Bon, bref. Quand nous on a trouvé que ça, il est... On a fait un adjustement? Je ne connais pas. Je ne connais pas le nom, on a trouvé le goût. Ça qui tient là. Ça, il appelle le foin. Non, le foin. Parce qu'il était là, on m'a dit ça à la plume. Non. Bien. Ah, me dit ça à la plume, mais ça s'appelle le foin. Moi, je ne connais pas, moi, ben, la base intellectuelle. Moi, non, moi. Ah, donc, on fait. Là où il y a deux intellectuels. Ah oui, ben, accompagne-moi, ben, ben. Ça gratte, ça ah. Ça gratte même, ben. Enfin, il gratte pas. Il... Si vous mangez, il gratte. Si vous rien que si vous mangez, ben. Je vais le mettre là-bas. Pour l'instant, il est là. La coude d'abac, moi, il pète. Hein. À votre avis, il est bon là, comment ça va là? Va aller, va y aller, hein? Ça fait revenir un petit peu tous les là, ça rend la lie un peu rose. Mais avant de mettre la lie rose, mettre un petit peu de sel poivre. Hein. Ça c'est le coq, ça, le coq qui remplace le porc. Le porc. Ouais. Ça arrose un petit peu le. Même s'il est comme ça. Ouais, c'est bien. Mettez un bon feu. Ouais, mettez un bon feu. Ah, il est bon. Ouais, s'il mange ça, il aura du. Au moins, il est dans un petit goût de sel quand il va faire. Comme ça, le coq commence à goûter. Comment il commence? Ouais. Un nouveau goût à l'isère. Hein. Qui domine que pas effectivement là. C'est une bonne technique ça. Ça fait qui là? Bernard, tu as vu dans l'ouest comment on coupe les artichauts aujourd'hui? Ça, t'es bien joli, hein? Mais. On dirait un long malbar. Ben, un long malbar. Hein? Ton garde rien. Donc, tailler les artichauts en lampe malbar. Ouais, voilà le titre. Les artichauts en lampe malbar. Il y a un embrumant, hein? Tu parles bien un lampe vraiment? Donc tu l'as vu comme un lampe vraiment. Vous l'avez vu quand on a coupé là? Oui. Que c'est ça? Artichaut. Artichaut même alors? Artichaut. Ça, là, il mange pas là-dedans. Ça, il mange avec toutes les bonnes morceaux. Comme quand on fait tout le monde a eu des éclats, pareil. Ça, c'est quoi ça? Ça parle bis. Ça va être bon, ça, non? Ça va mettre par là-bas. Il n'y a pas encore cuit, bien à quoi le manger. C'est bon. Bien à la fin. Bon, pas mieux. C'est bon. Il faut mettre la viande poulet là-bas. Et même j'ai fait ça, avec la morue là.
Ah, bien fait pareil avec ça. Oui, 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 pareil pour le bon. Là, ils sont en train de mais là, ils sont vieux. C'est un petit musique. Un petit musique plus joli. Là où aller, on comprend pourquoi. C'est pourquoi vernis. Attendez, on est allé à 80 mètres en vernis. Là. Donc, quand ici, ça mourit par le bas. Donc, ici, là, ça va trop vite, non? C'est bon. Hein? Ça va trop vite. Essaye de suivre. Coffre ici, ça mourit là-bas. La mourit, ça met de la viande dedans. On a dit de la fin. Il s'est y aller un peu vite, hein. Donc là, il accélère. Alors. Ah là, il est obligé, là. Ben, parce qu'il faut ça un peu vite. Les oignons ont fini tout de suite. Un jour après l'autre dedans. Alors, ça sent bon? Oui, ça sent très bon. Alors, bah, il a mouru. Le fait est tort. Il n'a pas peur, c'est un monde qui est tombé là. C'est comme qui salue déjà comme ça quand ils sont dans le supermarché. Ah, famille grand-mère, mémé, mamie, mémé. Famille grand-mère, ça. Mémé. Bien un peu chargé. Bien un peu chargé, obligé de m'encarter. T'as l'impression que t'es un coucou. Ben, ah non, mais. Ouais, nous va laisser la cuisine ben, démarrer. Ben, démarre ça pour. Ben. Et là. La dame met du sel poivre. Les autres, les affaires, ils y arrivent après. On occupe aller le temps des frites, nous occupe l'homme, oui. Pour moi, comme ça, les dégâts finis, ils arrivent, ils disent tout pas, ça tape pour manger. Les deux finis en même temps, pas. Comme ça, là, on va jamais manger. Bon, mais la morue, nous en mettre un petit morceau d'un genre. Bon, un petit peu plus, hein. Tu peux mettre un petit peu plus. Ils mettent tomate à ton chari, non? Oui. Attends. Alors, oui. Oui. Et puis, on dirait qu'ils mettent tomate dedans. Alors, ils mettent. On appelle les lames. J'ai un homme avec l'ail. Ok. Les bons pour vous. C'est les bons pour vous, les bons pour moi. Regarde, t'as dit comment les olives là. Ah, non. Là, comme ça, fait monter notre affaire. Ça, c'est poivre. Justement, regarde bien, il y a un petit quai derrière. Qui appelle ça poivre sauvage. Et ça, on trouve ça, ça c'est poivre sauvage Madagascar. Ça, son goût, c'est pareil, poivre longtemps. Parce que comme là, le poivre, vous remarquez, le poivre, je ne sais pas, connais pas comment il est, mais le poivre, puis le goût, il y a tous des... Vous voulez demander quoi il fait. Ben, tandis que ça, sous la prend ça là, si ça va marcher pour un, ou avant madame Malgache, il vend toutes qualités d'affaires là, bon petit bazar, bonne affaire, ben, vous demandez à ça, c'est un poivre sauvage. Mais si dans le poivre sauvage, mais la prend ce petit quai là, ben bon, il faut les pareil, il faut ce petit quai, pareil, un petit état. Et ça, t'as l'air, mis ça à casa, il me s'en met avec. Mais ça m'écrase avant, ça m'écrase après, parce que pour craser les deux en même temps, ils ne gagnent pas craser. Fais-le tout seul alors. Ben, fais-le tout seul. Là, on va mettre deux hommes avec le lait et... C'est moi, depuis là, un petit peu fort.
Mais si tu veux pas baisser, il baisse tout. Si vous venez d'appeler en train de frites, vous voulez prendre le temps, vous voulez couler les frites, vous mettez un petit peu de l'eau dedans. Il y a votre frite. Le temps de l'eau sèche. Si vous venez dans le temps, on fait ça pour la poupée, qu'on va bien y avoir comme frites. En fin de compte, mettre de l'eau, c'est un petit gars. C'est un ralentisseur. Si vous pouvez, ouais, un ralentisseur. Un ralentisseur. Un dedans alors. Avec combien de temps, avec combien de temps. Un genre de dan alors. Un gendarme. Allons, j'ai un. Bah oui, c'est. La change de tournaise alors. Change de tournaise. Un peu de tomate. Et comment là, c'est ça. Vous trop fort quand même. Non, là, c'est comme vous avez pas fait. Voilà, tu prends de terre. 3 kilos dedans. Il faut cuire, il faut les cuire. Donc les tomates là, même là, tu peux mettre les tomates. Les tomates, il va cuire. Hein. Allez, je te laisse le soin de mettre alors, les. Mettre toutes comme ça ou. Oui, mettre toutes comme ça. Non. À moins que. Le feu, il faut baisser, ouais. Non. C'est comme un bouillon, mais après, là, ça dit réduit. Là, ça dit réduit. Parce que façon, il faut le couvrir le. Couvert un petit peu, le, pas couvert, quand je dis couvert, il ne faut pas y noyer non plus. Mais il faut tout lier un peu dans la sauce, au moins il a le goût, il gagne le goût de la morue, c'est tout, il faut les organisations gagner la morue. S'il reste en l'air comme ça, là, il a permis son pied, il est baisé. Il est bon? Un petit peu safran, juste pour. Un petit peu safran. Comme c'est pas bâton de rhum, ouais. C'est pas bread mouron. C'est pas bread mouron, bâton mouron, il peut mettre. Bâton mouron, il peut mettre. Ah ouais. Bread mouron, non. Bah, bread mouron, non. Sinon, notre camarade, on est là-bas, ça va pas content. Non, non. Ça va plus en game ou catal. Il est pas content. Il est pas bon, ça. Il veut. Zach Daniel. Il est pas bon, ça, même dire. Sivas, il veut. Whisky sec. Sans glaçon, s'il vous plaît. Là, il n'est pas invité, là. Allez, même plus à l'aise. Toute conversation, il est temps. L'école est tout. Bienvenue à l'île, mais ça dit ma vie, boucle, la vie, carré, là, toute la vie, son carré. Ah, voilà. Quand je suis moi. Bon. Ça découpe, t'as dit un petit peu, t'as l'air, t'as dit puis. Là, c'est le poivre. Ben, mettre le poivre, un petit peu, mais après, pas besoin de mettre un. Tampon là. Parce qu'il a. Non, il a un petit goût spécial, lui. Hein. Ali, c'est tout. Ali, dès qu'on va mettre un petit pont comme ça, il est bon. Mais là, il ne s'en tient tout dedans parce qu'il m'a besoin. Il s'en attaque le coq pas, mis par là-bas. Le coq. Ça, c'est l'artichaut? Ben. Ah bon? François, vous connaissez que c'est ça, les affaires où quand on fait cuire là, hein? Quand la fine fait cuire ou la fine manger, on a plus que quand on l'a fait pour manger. C'est un véritable plat de pauvre. C'est un plat de pauvre. Un véritable plat de pauvre. Là, parce que quand on a fini de manger, on a plus que quand on l'a commencé. Voilà. Hein. Côté, aujourd'hui, moi, la passe à la plaine des cartes, moi, la dit artichaut, moi, tu vas arrêter dans le chemin pour acheter. Regarde, t'assois, nous mangeons artichaut. Mais artichaut, pas tout seul. Avec la morue dedans. Avec la morue. Première fois, il me passe artichaut avec la morue. Hein? Et là, quand aussi, on a bien, il faut bien aussi, parce qu'il ne faut pas jeter un petit mot sur la morue, là. Il ne faut pas jeter rien, là. Alicia. Là, il ne jette pas rien. Il ne jette pas rien. Tout ça. T'as le petit bouillon, tout là, commence. Tant que la fin.
Bon. Alors, la fin, souvent, il manque encore un petit peu de l'eau. Là, on peut rajouter. De toute façon, il faut pas. Il faut aller en bouillon, un bouillon, mais c'est un bouillon, pas un bouillon, bouillon. C'est un petit bouillon, juste réduit. Et ça, c'est un plat qu'on fait chez vous dans le restaurant, ça? Ah non, ça, par rapport à Nanmoun, justement, par rapport à ça, tu vois, moi, je fais un plat, mais il fait ça au restaurant, tout le monde ne connaît pas quoi il est. Tout le monde ne connaît pas, dans le comme là. Donc, c'est pas un plat au cadre dans le restaurant? Non. Ça, c'est pas mon plat palmiste, poulet palmiste. Le poulet palmiste que ça fait tout à l'heure. Oui, mais vous savez, parce que François, je me dis, moi, comme ça, il finit de manger poulet palmiste là-bas. Hein, François? Oui. Au fini de manger, les bons. Très bon. Voilà. De toute façon, toutes les bons là-bas. Toutes les bons là-bas. Hein. Comment elle appelle chez Lucien? La case Lucien. La case Lucien. Elle est écrite là. Voilà, écrit la case Lucien. Voilà là. C'est comme chez vous. C'est comme chez vous. Mais souvent, n'oublie pas qu'on n'est pas chez vous. Papi, la salade cuisinée, là. Allez. Il n'y a pas vu. Donc, on fait le verre, écoute verre. Ça, c'est un petit juste citron, parce que l'alcool, là, qui a dit, il boit. Vous n'avez raison. Voilà. Il ne faut pas boire l'alcool. Ben, comme il fait chaud, vous mieux boire un petit juste citron. Hein? Citron vert, en plus. Hein? C'est un détox, c'est que du citron. Ouais. À nous, on aime manger, on aime goûter, mais nous, on n'aime pas cuisiner. Donc je tiens manger, goûter, mais pas cuisiner. Voilà. Donc je découvre, pas tant que les pas cuits. Non. Allez, nous gâte quand les cuits, après nous apprécions quand les gâtes s'assiettent. Ah, là nous marchons, nous marchons, nous avalons, nous boire, nous marchons, nous apprécions. Hein? Même si la pommette, la rivoire, même si la pommette, pompétrie, même si la pommette, un rougaille, même si la pommette, en quand tu fais, vous gâte souffler le vent. Bon, là où la plante fait des oignons, est-ce que vous coupez des oignons pareil pour coque et pour... Ah oui, c'est ben là que ça fond là-dedans, là, on connaît. Rien qu'il fait salade, qu'il fait un rougaï, ou bien papa, même rougaï saucisse, c'est ça, l'ami coupe un peu plus fin. Mais sinon... Quand il a fini, il faut que le couvalier moyen, petit gros, ou tout pili. Surtout au pili, vous connaissez. Il connaît Nanmoun, il m'a tant entier. Oui. Hein, fini vite. Ben, je te bats plus là dedans. Ça, bon, vous n'apparaissez pas, non. Tu fais là que tu manges le thé ensemble, c'est pas un souci. Gagnons le thé. Viens, fais-moi, t'as voulu de fiches que nous avons fait. Ça, c'est pour le coq. Pour le coq. Comme ma diable, on a toujours mon poivre et mon poivre que j'aime bien. Je vais mettre un petit peu sauvage. Mon poivre sauvage. Puis mix à rien de fait parce que si vous mettez l'ail tout de suite, il ne gagne pas crase à l'effet. Il faut lier les secs comme un affaire sec. Il faut lier les secs tout de suite. Tu mets avec. Et mon père 4 épices, ils mettent pas dedans, ils mettent avec dedans. Donc on boule le 4 épices. Le 4 épices fini. On somme dans le tas. Le meilleur élève, hein? Ah bah c'est ça. Ah ouais là. Ah ben ça, tu peux même dire, ça c'est le poivre, alors le n'explique pas où les dés ensemble. Ah ouais, là il déménage. Peut-être que tu as déjà senti, non? Ben. Fais ça, tiens, râle un coup le dé. Râle un coup le dé, ça. Essaye. Viens côté le télé. Viens plus près. Alors là maintenant, je vais mettre mon gingembre et mon l'ail après. Si je m'avais fait l'inverse, c'est-à-dire que je m'avais dit de mettre l'ail avant et après le bon affaire sec là, et qu'il n'y ait pas mis ça dit comme il est mixé. Fais la colle. Tandis que là, il fait ça dit coller, là-bas mon oignon. Il continue frit, mais il ne frit pas parce qu'il est déposé en l'air. Voilà, ça, bon, ça du thé. Là, ça va. Bon, alors là, la pâte magique. La pâte magique, les fées. Donc, voilà. J'ai collé un petit peu d'oignon dedans comme ça. Et bon, viande est déjà salée, poivrée à l'avance. Hein. Fin et tard. Au moins, il gagne toujours le sujet, mais ça fait un petit peu de sel, poivre et 6 autres.
Là, ils mettent aux épices. Bien en robe à Libyen. C'est gaillard quand on est enrobé, non? Viens quand on est enrobé? Ah oui, là, là c'est un vrai enrobé. Pas enfin, quand on est trop enrobé, pas bon, sinon. On trouve un petit peu de viande. Pas rien que le gras. Bon, vous avez mon fait des belles affaires, hein? Azef, largué les tomates. Mais vous connaissez comme ça a fait? Ça m'a parmi ça. Vous voyez Ali là, malade par ma main parmi, c'est parmi. Ali c'est le talon. Comme lui ça va prendre un petit peu plus de temps. Tu peux la regarder toujours. Enfin, il prend un petit peu plus de temps, mais pas trop. Mais au moins, quand il va finir, il sera bon. Quand la viande sera cuite, il sera cuit. Voilà, un petit peu de safran. On va. Ça fait gaillard, ça fond, ça fait dès qu'on met dedans, les affaires changent. Tout de suite, ils changent. La couleur change, on dirait tout d'un coup. Hein. Mettre pas trop, non, tu m'as gardé quelques avant. Parce qu'elle n'est pas toute la même couleur, vous connaissez. Pas toute la même couleur, pas tout. Ben, pas toutes les teintes pareilles. Ben, il n'y a pas besoin, il boit les gens pareil, même, il n'y a pas un petit peu d'assez. Mais il y a un peu d'importé, un peu d'effet ici. Ben, il y a un peu d'effet ici. Mais il n'y a pas de bonne baiser aussi, il écrit pays et puis il n'est pas payé. Hein? Ah. Non, mais il est nargis là. Hein? Garde bien, il ne faut pas tromper quand il a fait ça. Même dans notre pays, il y a de bonnes choses. Ben, avec sauvé. La première, c'est le pélin, le pépaline, ça va être par là-bas. La morilla quand elle est bon. Sinon, on connaît que ça, nous préférons. Continuer à lire ça là-bas. Échanger. Échanger. C'est-à-dire le coq qui se va à la place de la morue prend la place du coq. Vous parlez? Allons faire un échange. Allez, Misha Benzel. Allez. Un croisement de Mahamit. Un Mahamit croisé. Écoutez, un coup de magie. Un coup de magie. La morue change encore. La morue est devenue du coq. On voit la patte. Ça où? Non, la première fois, c'est bien. Mais attendez, le coq va passer. Ça arrive. Ah, il y a un problème, non? Il y a un problème. Non, il ne faut pas dire le coq, le marmite, là, comment apporter le marmite, la tomate. Le marmite, tomate, alors. Le marmite, tomate, c'est un petit coq. Il y a une fameuse qui est artichaut. Ça, c'est donc un curry de artichaut. Ça, c'est l'artichaut mori. L'artichaut mori. Là, il commence à changer. Ah, non, ça, c'est bien. Il voit où tu souris, elle a changé. Non, ben, mais il garde le résultat, moi, il est content. Hein. Bon, mais c'est un temps de l'eau dedans pour qu'elle cuire, pour qu'il faut de l'eau. Hein. Hein, regarde ça. Ma vie, compris, mon gars. Ou la remarqué, t'as l'air là, personne pas ni waouh. Ça le dit, hein. Là où l'on est en train de mettre dernier coup de sel, là. Hein. Non, ben là, on va finir. Guette l'entourage, guette l'entourage. Guette l'entourage. Guette l'entourage. Guette l'entourage. Non, 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 mais comment il appelle ça? Espère cuit. Espère cuit, il appelle ça? Là, dit comme ça, quand il mange la pâte, il fait son enfant du blé. Ah, mais ça veut dire la dépâte. Ça m'a une idée. Pas de faire son enfant du blé. Non, on va gagner les deux yeux bleus. Ah bon? Tu te gagnes enfant du blé. Ça va des oreilles. Ça va des mains à la pâte. Encore pas des oreilles du blé.
Et quoi avec vous? Je sais pas, mettre de feu dessous. De feu de nain. T'en as beaucoup salé, t'as l'air nous. Donc là, nous ça fait un petit salade mon, mais poussant un peu. Là, nous fait avec mon carotte jaune, comprends? Mais en même temps, il tombe pas comme un rougail, il tombe comme une salade. C'est-à-dire, vous faites avec lui comme si vous faisiez salade comme vous voulez. Donc, mais ça, il faut un petit appareil coupe à lit en julienne. Je ne connais pas ce qu'on appelle ça en julienne. Comment on appelle la lit? Ben, camarade, en cuisine, ça. En cuisine, il appelle ça julienne. Il appelle ça julienne, non. Donc, coupe à lit comme coupe julienne. Et après, vous mettez tout le piment. Mais si vous voulez faire un petit peu l'intéressant, là. Vous connaissez ça, vous faites? Si vous voulez un petit peu intéressant, juste un petit peu intéressant. Pour moi, comme ça. Vous donne la couleur. Ouais. Vous donne la couleur. Ou bien, des petites carottes comme ça dedans. Mais allez, pas besoin d'étaler ça. Comme vous faites dans l'hôtel, vous comprenez, mais normalement. C'est juste pour la couleur. Juste pour faire le petit bain. Juste pour faire les affaires, mais le mangue, il faut mettre allier au maximum. Depuis le vieux mémé jusqu'au petit Benjamin, mémé plus dangereux, il aime bien bon supermarché. Elle n'a pas peur sécurité, anti-vol pour maman et l'école. Sous son robe, lui mettre bouteille Laurent. Sous son robe, lui mettre bouteille whisky. Sous son robe, lui mettre bouteille champagne. Sous son robe, lui mettre baquette langouste. Mémé, il rentre magasin. Bonne affaire comme canapé qu'un. Quand il sortit mascardé, normal, il est trop chargé. Un petit sourire pour la caissière, car mémé n'a jolie manière, n'a toujours un petit compliment. Mémé, quelle bonne l'éducation. Sous son robe, lui mettre bouteille Laurent. Sous son robe, lui mettre bouteille whisky. Sous son robe, lui mettre bouteille champagne. Sous son robe, lui mettre baquette langouste. Si tu es dans un festin, me fais plaisir, bonnes invités. Passe un commande avec mémé. Sans paille langouste, c'est qu'un bon vin. Et quand y arrive fin de l'année, poutre madame jolie robe soirée. Parce que Zarab choisit modèle, mémé va donner à l'Ilazel. Sous son robe, lui mettre bouteille Laurent. Sous son robe, lui mettre bouteille whisky. Sous son robe, lui mettre bouteille champagne. Sous son robe, lui mettre baquette langouste. Pâli comme un blé, mémé l'arrivée pas content. La foutre Benjamin baisement. La dit ben t'y fais honte mémé. Première fois moi les convoquer.
à partir ta marche avec mémé. Comme ça, t'as rouvé à grand rosier. Sous son robe, lui mettre bouteille le rond. Sous son robe, lui mettre bouteille whisky. Sous son robe, lui mettre bouteille champagne. Sous son robe, lui mettre baguette blanche. Sous son robe, lui mettre bouteille le rond. Sous son robe, lui mettre bouteille whisky. Sous son robe, lui mettre bouteille champagne. Sous son robe, lui mettre baguette blanche. C'est bon? Gazotte! Grève de riz, pas Ben François, on arrive à la fin de cette émission, hein, une émission de cuisine très variée avec Lucien, la case Lucien. La case Lucien. Et tout le monde, Dallo, la gagne la quantité de nains là, viens, en tout cas, merci beaucoup Lucien, merci beaucoup tout le monde. Hein, ce soir, ici même, Bassin Laboue pour cette émission de cuisine, petit plaisir créole François. Hein? C'est ça, un petit plaisir créole. Vous en aurez l'occasion de voir chez nous, sur la télé, puis après sur canalaustral.tv, bien entendu, comme d'habitude. Hein? Un plat que vous l'avez fait pour nous, et vous l'avez dit comme ça. Ça, on fait d'autres restaurants, ça, on fait pas d'autres restaurants. Alors, m'explique-vous, ça, m'y fait dans mon restaurant, ben normal, m'y fait dans mon restaurant. Pour les palmus. Mais ça, l'artichaut avec la morue. N'entendez-moi, ne connaît pas. Ben, ça, longtemps, t'es mort, ça, comprends. Ça, le bouc, là, explique comment il fait ça. Et en plus, il amène pour me manger. Il y avait au moins 80 ans. Il y avait 80 ans, moi, j'avais 21 ans. Donc, on a longtemps, il est pis là, comprends. Ah, ouais, ben, en tout cas, donc, l'été, en sa mémoire. En tout cas, c'est un petit hommage à sa mémoire. Hein, voilà, hein, François, nous, là aussi, d'autres personnes là-bas que l'été avec nous aussi ce soir. Hein, la famille Lucien. Voilà, hein, la famille Lucien. Hein, bien entendu, un gros guitariste que nous connaît. Hein. Et puis après, ben, Coco, comme d'habitude, hein, qui dit pas grand-chose, mais de temps en temps, il est là, hein, et n'est-ce pas, Coco? Oui, hein? je t'écoute, et quelquefois, je dis mon petit mot. Voilà, quand exactement. Il faut. Un petit mot quand il faut. En tout cas, nous avons vu Coco toute la semaine sur la télé en train de dire son petit mot, comme ça, en disant qu'il n'est pas là souvent, mais de temps en temps, il est là. En tout cas, merci beaucoup. Hein, ben, c'est moi qui remercie les autres. Nous retrouvons une prochaine fois. Ok, allez, à bientôt. Allez. C'est la plante là encore là que je dis le gaz depuis là.